Bon, bah, petite anecdote et non des moindres, hein. Tête en l'air que je suis, je me suis trouvé embarqué dans le bus à ne pas m'arrêter au bon arrêt, mais j'ai arrêté à Carpité, donc autant dire à 3 ou 4 arrêts après, il me semble. Mais bon, c'est pas grave, regardez, on a quand même un chouette décor, et puis bah, je vais faire le reste à pied, enfin en roue, mais compris. Allez, ciao. Comme vous pouvez le voir, on est au stade d'Ornano. Et oui, pour le match Clan-Guingamp. Match plutôt très important. Puisque voilà, on parle de des premiers actuellement, hein, au classement. Donc on va essayer de les encourager fort pour espérer un très bon résultat. Allez, Malherbe!
Pfiou, quelle première mi-temps, quoi. Riche en émotions, quoi. On était plutôt bien partis, et quelques minutes après, ouverture du score de Guingamp. Mais on n'a rien lâché. Là, j'ai vraiment vu une équipe solide, qui exerçait un pressing assez haut, qui remportait quasiment tous ses duels. Et voilà, on a réussi à renverser la tendance, marquant d'ailleurs un magnifique beau but que j'ai enregistré. Donc voilà, bah écoutez, on se donne rendez-vous à la fin du match en espérant par la victoire. Allez, allez, dans l'herbe. Et voilà les amis, je suis rentré. Retour au bercail. Après cette magnifique victoire sur un score de 4-1. Incroyable. Bon, hormis voilà, le petit bémol qui sont les blessures. On a eu 3 ou 4 blessés, si je dis pas de bêtises, en espérant que ce soit pas trop grave. En tout cas, le jeu proposé ce soir était juste génial. De l'agressivité, du pressing, des duels remportés, de la justesse technique aussi. Voilà, enfin, tout était réuni pour passer une excellente soirée. Merci Malherbe, merci beaucoup. Bon les amis, hein, si ce contenu vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez le petit pouce bleu, le petit commentaire, puis ben voilà, si le créateur de qualité de contenu que je suis vous plaît, vous lâchez le petit abonnement. Allez, plein de gros bisous et à la Malherbe.